Bien sûr, pour la préparation de les matchs n'est pas facile parce qu'aujourd'hui les internationaux, principalement les joueurs qui ont joué hier ils jouent Neymar, Sidibé, les 7 quarts il n'est pas là. Après, les joueurs Georges Jamerson Brésil, ça arrive demain. Et Falcao, peut-être, arrive demain soir. Pour ça, c'est plus difficile pour préparer le match. Mais je dois aussi les joueurs qui restent ici, qui ont travaillé bien 7-15 jours. Sont le joueur qui a faim de jouer, joueur qui a l'ambition. Et peut-être aussi, c'est aussi une opportunité. Il y a aussi bon test pour les autres. Ça veut dire que si Falcao arrive demain soir, il sera apte à jouer dès le lendemain, probablement non. Non, je suis parlé avec Falcao à 10-15 minutes, à 5 du matin à Colombie. Ils sont arrivés maintenant à Colombie. Il me parlait que très très fatigué parce qu'il fait deux matchs 90 minutes. Hier, il a sorti 2-3 minutes avant. Après, d'un voyage, il vient de Pérou, pas dormi, pas récupéré. Peut-être il n'est pas en condition de jouer. On connaît son importance à Monaco dans ce début de saison. Il a marqué énormément de buts. Ça serait un coup dur de ne pas l'avoir sur un match comme Lyon. Je vais foutre ça comme ça. Nous avons une équipe, nous avons un effectif. Nous avons 22 ou 23 joueurs de champ pour compétir. Un joueur. Qui entraîne toute la semaine et il faut une opportunité. Pour ça, les opportunités arrivent. Et principalement le jour que rester ici à travailler. Plus, je crois aussi, les autres joueurs qui vont débuter les matchs.